Bonjour à tous et déjà merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour gérer simplement les applications qui se trouvent sur notre iPhone. Comment faire pour déplacer ou supprimer une application. Depuis iOS 11 est apparu un mode édition. Pour utiliser ce mode, votre rotor doit être au préalable positionné sur Action. Imaginons par exemple que vous souhaitez déplacer l'application Facebook. Pour ce faire, touchez une fois l'application Facebook avec un doigt. Ensuite, faites glisser votre doigt vers le haut jusqu'à entendre mode édition et touchez deux fois l'écran avec un doigt. À nouveau, faites glisser votre doigt vers le haut jusqu'à entendre faire glisser Facebook et touchez l'écran deux fois avec un doigt. Ensuite, déplacez-vous par exemple sur l'application Horloge et faites glisser votre doigt vers le haut jusqu'à entendre déposer Facebook après Horloge si c'est votre choix ou déposer Facebook avant Horloge si c'est votre choix. Par exemple, sur déposer Facebook avant Horloge, touchez deux fois l'écran avec un doigt pour valider l'action et l'application Facebook se trouve alors avant l'application Horloge, à gauche de cette application. Facebook. Trois nouveaux éléments. Mode édition. Modification commencée. Activé. Par faire glisser Facebook. Contact. Modification en cours. Écran d'accueil. Page 2 sur message. Horloge. Modification en cours. 9h29. Annuler le glissement. Créer un dossier avec Horloge et Facebook. Dépôt prêt. Déposer Facebook après Horloge. Dépôt terminé. Pour supprimer une application, touchez une fois avec un doigt l'application que vous souhaitez supprimer. Ensuite, faites glisser votre doigt vers le haut jusqu'à entendre mode édition. Touchez deux fois l'écran avec un doigt. Et enfin, faites glisser votre doigt vers le haut jusqu'à entendre supprimer. Contact Doodle. Mode édition. Modification commencée. Doodle. Activer. Faire glisser Doodle. Supprimer. Avertissement. Supprimer Doodle. La suppression de cette app entraînera aussi celle de ces données. Annuler. Supprimer. Bouton. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous avez la moindre question sur ce tutoriel, alors surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse vincent@fondationaici.be. vincent@fondationaici.be. À très bientôt pour d'autres conseils technologiques.